Good morning, allez Yiden, les tutres aujourd'hui, le Lunishmat, Mori Verabi, Shmuel, Ben, Shlomo Zalman, Nissim Ben Ahuda, Sarah Batrana Rachel, Shlomo Ben Esther, Risha Bat Chaim Nechemia, ainsi que les Fouat Avraham, Uri Ben Reout, Betor Charol Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah à contacter 5 minutes éternelles, nous étudions Maseret Torah Yot, Perek, Gimel, Mishnah Bet, Kohen, Mashiach, She'avar, Mimeshichuto, Ve'achav Kar Chata. וכן הנשיא שעבר מגדולתו ואחר כך חטא. כהן משיח מביא פר והנשיא כהדיות. Très simple, ça continue le principe de la Mishnah précédente. Pour rappel, chez les particuliers qui apportent un korban khatat, lorsqu'ils ont fauté une, par inadvertance une faute sur laquelle on est passé d'un karet, de retranchement, alors on doit apporter un korban khatat. La Torah l'a distingué. Le commun des hommes, ils doivent apporter une kisba o seira, une brebis ou une chèvre. Le nasi, qui est le roi, comme on l'apprendra plus dans la Mishnah, dans la prochaine Mishnah, le roi, lui, doit apporter un sa'ir, un bouc. Et si c'est le Kohen Gadol, alors il doit apporter encore plus, quelque chose de plus grand, qui est un par, par Kohen Mashiach. On parle de ces trois korbanot particulièrement. Maintenant, le sujet de nos trois prochaines Mishnah, de la Mishnah précédente, de celle qu'on fait aujourd'hui et celle qu'on fera encore demain, est de savoir à partir de quand il faut, parce qu'on parle, un Kohen Gadol, il n'est pas forcément, il ne n'est pas Kohen Gadol, un roi ne n'est pas forcément Kohen Gadol, il faut être nommé, il faut diriger concrètement. Donc le sujet maintenant des Mishnah est de savoir quand doit-il commettre la faute et quand doit-il apporter le Korban. Soit imaginez qu'il a été déchu, destitué de son rôle, est-ce qu'il garde encore son statut? S'il a fauté quand c'est encore un homme simple, et qu'après il a été nommé Kohen Gadol, est-ce qu'il devra apporter le korban particulier du Kohen Gadol, ou du roi, ou au contraire, non, puisqu'il a fauté quand il était un homme simple, ce sera le sujet de la prochaine Mishnah. Pour notre Mishnah, on parle du cas où Kohen Mashiach, Sha'avar Mimeshichuto Bachar Kachata, on parle d'un Kohen Mashiach, le Kohen Gadol, Sha'avar Mimeshichuto, il a été destitué de son rôle. Littéralement, il a été destitué de son onction. Mais c'est pas possible. C'est-à-dire, une fois qu'on a eu une fois l'huile d'onction, on est loin pour la vie. C'est-à-dire qu'il a été destitué de son onction, il a été destitué de son rôle supérieur. D'accord ? Vachar Kachata, et seulement après, il a fauté. On peut se retrouver dans plusieurs situations dans un cas pareil. Ça peut être un Kohen Gadol qui a eu une impureté, ça peut être un Kohen Gadol qui s'est fait amputer un doigt. Là, il devient un balmoum, il ne peut plus exercer en tant que Kohen Gadol. Mais dans sa vie, il a été loin. Et ensuite, une fois que maintenant il s'est retiré de la scène, alors dans sa petite maisonnette chez lui à Beersheba, il a là-bas transgressé une Avera de Shogeg. Un Shabbat, il s'est trompé, il a transgressé Shabbat de Shogeg. Quel korban doit-il apporter? Idem encore, Vechen Hanasi She'avar Migdulato Vechar Kachata. Ou encore le nasi, qui est en fait le roi, qui a été destitué, révoqué de son rôle, déchu plutôt, je crois que pour le roi ça se dit surtout déchu. Il a été destitué de sa fonction, c'est redevenu un monsieur tout le monde, et après il faute, lui aussi, dans sa petite maison de Beersheba. Qu'est-ce qu'on lui fera? Qu'est-ce qu'il devra apporter comme korban? La Mishnah enseigne, Kohen Mashiach Mevipar, le Kohen qui a été oint à l'huile d'onction, donc le Kohen Gadol, il devra continuer à apporter un par, à apporter malgré tout un taureau, et qu'il faudra apporter son taureau dans le Kodesh à Kodeshim, dans le Echal, pour l'asperger sur la parochette, et l'asperger aussi sur le Mizbeach Hazav, à l'intérieur, le rituel particulier qu'il y a pour ce korban du Kohen Mashiach spécifique, et non sur le Mizbeach Ritson, sur le Mizbeach qui était à l'extérieur, dans la cour du Beit HaMikdash. Et tandis que Veha Nasi ke Hediot. Et le Nasi, lui, reprend un statut de Hediot, d'homme simple. Donc en fait, on apprend de cette Mishnah que le Kohen Gadol, s'il est destitué de sa fonction, eh ben, il reste dans son être un Kohen Gadol. Il y a plusieurs halachot qui dépendent du Kohen Gadol, qu'on apprendra longuement, plus ou moins longuement, enfin, dans la Mishnah d'Alet, on en reparlera, on précisera toutes les halachot particulières au Kohen Gadol. Par exemple, il n'a pas le droit de se marier avec une veuve. Il y a des halachot particulières qui le concernent, et bien toutes ces halachot concerneront en général tout Kohen Gadol qui a été oint une fois dans sa vie, même s'il a exercé un jour et puis ensuite il a été mis sur la touche
comme on a dit, qu'il est devenu impur, qu'il a été, il a eu un membre amputé, peu importe, il ne redevient plus un Kohen normal. D'ailleurs, il ne pouvait même plus exercer au Beth Amikdash, cette Tosafot qui rapporte ça, que maintenant, d'un côté, il ne peut pas exercer en tant que Kohen Gadol, parce qu'il ne peut pas faire de l'ombre au vrai Kohen Gadol. Ouais, ça va nous faire des problèmes, hein, il va commencer à, ça va nous faire entrer de la compétition et tout ça, on ne veut pas rentrer dans ça. D'un autre côté, il ne peut pas redevenir un Kohen classique, s'habiller normalement comme un simple Kohen, parce que c'est réellement un Kohen Gadol. Donc on lui dit, écoute, mon cher ami, ne viens plus au Beth Amikdash pendant ce temps, en tout cas, tant que l'autre est encore vivant, et que toi, tu ne peux pas venir. D'accord ? Ça, c'est pour le Kohen Gadol. Tandis que le Nasi, on apprend de là que le roi, une fois qu'il n'est concrètement plus roi, eh ben, il a été destitué. Il perd son rang de roi, donc il doit apporter un korban comme tout le monde. Il y a le Tiferet Israël qui rapporte quelque chose de très intéressant, c'est au nom du Yerushalmi, pour bien illustrer l'histoire. Vous connaissez tous dans l'histoire que David Ameler, il y a une période dans son règne où il n'a pas régné sur Israël pendant 6 mois, à l'époque de Avshalom. Avshalom, son fils, a fait un putsch, il a pris le pouvoir de force. David Ameler, pour ne pas qu'il y ait une tuerie et que le peuple d'Israël commence à se tuer, à s'entretuer, il a pris les siens, il s'est éloigné, il est sorti du pays. Donc concrètement, David Ameler, pendant 6 mois de sa vie, il n'a pas été roi. Il y avait Avshalom qui lui a volé la royauté, sans que pour autant que David Ameler se décourage. Il s'est dit qu'un jour, Bezrat Hashem, on reviendra, on attendra. Mais en tout cas, pour le moment, on se met de côté et on attend que la tempête passe. Et ben, le Yerushalmi nous raconte, et ben, si pendant les 6 mois où David Ameler a concrètement cessé d'être roi, et ben, s'il faute pendant ce temps, il devra apporter concrètement une kisba au Seira, comme un monsieur tout le monde. Parce que la fonction de roi, elle dépend est-ce que concrètement c'est lui qui domine ou est-ce qu'il a quelqu'un au-dessus de sa tête. Et si on va se retrouver avec un roi qui domine plus rien, eh ben, c'est le roi du vent, c'est pas rien de plus, c'est pas un bon roi. Donc il pourra plus apporter son corban spécifique au roi, d'apporter un bouc à la place d'une kisba au seira, d'une brebis ou d'une chèvre. C'est déduit du pasouk, lorsque le pasouk introduit la parasha du Kohen, du roi plutôt, elle ne nous dit pas « Nasi ki yecheta », elle nous dit « Asher Nasi ki yecheta ». Lorsque le roi, le président, se fautera. En insistant avec sur le « Asher Nasi yecheta », il y a un petit mot en trop pour nous laisser entendre que si concrètement t'es roi, alors t'es roi. Et si t'es plus roi, ben t'as cessé d'être un roi. La différence du Kohen Mashiach, que ça dépend concrètement si elle a été nommée. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Selah.